每次都会必点这道菜品，欢迎夏天过来吃哦。Peut-être la région du Changshan ne vous dit pas grand-chose, mais parlez-en à un Chinois et il pensera tout de suite à la cérémonie du thé kung-fu et à sa cuisine authentique. C'est une région située à l'est de la province méridionale du canton. La cuisine du Changshan est réputée pour ses mets à base de fruits de mer. Elle met l'accent sur la retenue et la subtilité et évite les assaisonnements lourds pour mettre en valeur la fraîcheur des ingrédients. Ces dernières années, cette cuisine devient une aubaine pour les gourmets car elle convient très bien avec la tendance croissante de manger sain et léger. Pour cet épisode de notre série dans le célèbre quartier des affaires de la capitale chinoise, nous allons apprendre deux recettes de la cuisine du Changshan auprès du chef Yu. Bonjour à tous, je m'appelle Yu Linfeng, je viens de Zhanjiang dans le Guangdong, je suis le chef du restaurant Chantang, j'exerce dans la restauration depuis 19 ans. J'exerce en cuisine cantonaise, notamment dans celle de Chaozhou. Bonjour chef Yu, quelles sont les recettes que nous allons réaliser aujourd'hui ? Bonjour, je vais vous en présenter deux, celle des boulettes de bœuf et celle de la soupe de riz au homard. Les boulettes de bœuf, on dirait un plat traditionnel. Tout à fait. Ce plat est une spécialité très célèbre de Chaozhou. Il a une histoire de plus de 100 ans. Autrefois, les haka et les palanches sur l'épaule dans les rues de Chaozhou pour vendre de la soupe de boulettes de bœuf. Les habitants trouvaient ces dernières caractéristiques. Ils les ont améliorées pour en faire les boulettes de bœuf délicieuses d'aujourd'hui. Ok, je vois. Devant nous se trouvent les ingrédients, n'est-ce pas ? Oui. Pouvez-vous nous les présenter ? Bien sûr. Il nous faut de la cuisse de bœuf, de l'ail et du gâteau de riz glutineux. D'abord, on enlève les fascias des escalopes de bœuf. Sinon, la viande sera dure à mâcher. On tranche et on répète l'opération. Coupé en petits morceaux. Quelle pièce de bœuf faut-il choisir ? Le coup est-il différent en fonction des morceaux ? La cuisse est assez élastique. Elle convient tout à fait à ce plat. Le filet mignon n'a pas cette propriété. Notre viande est coupée en petits morceaux. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter cet ustensile en fer qu'on utilise spécialement pour faire des boulettes de bœuf. C'est lourd et chaque barre pèse environ 1,5 kg. Il faut battre de haut en bas pendant au moins une demi-heure. Ça demande beaucoup de force dans les bras. Oui, je vais vous montrer. On écrase jusqu'à quel point ? Jusqu'à obtenir plus d'élasticité et d'adhérence. Il faut briser les fascias des escalopes. Bien, c'est la bonne consistance. Regardez, c'est plutôt élastique et collant. C'est prêt. Mettez dans un récipient, on assaisonne, un peu de sel pour donner plus de consistance, mélangez bien et continuez à travailler la viande. À quoi ça sert ? À augmenter l'élasticité et améliorer le goût. On ajoute aussi des glaçons pour plus de souplesse. Les glaçons ont fondu. Oui. Il faut continuer à travailler la viande. On y est presque. Quelle est la prochaine étape ? Ajouter un peu d'ail. C'est de l'ail frit pour donner plus de saveur. Mettez de la fécule pour que les boulettes se solidifient. Frappez encore.
Bien, la purée de bœuf est presque prête. On fait chauffer de l'eau. On va y cuire les boulettes à une température de 40 à 50 degrés. Une eau trop chaude altérerait le goût des boulettes. L'eau est à bonne température. On fait les boulettes et on les plonge une par une. Il suffit de les cuire à feu doux. Tout à fait. Toutes les boulettes sont sur le feu. Comment faire pour savoir quand elles sont cuites? Elles le sont quand elles remontent à la surface. Voilà, c'est bon. On les met dans l'eau glacée et on les laisse refroidir. À quoi ça sert? À les rendre meilleures et plus élastiques. Laissez refroidir pendant 1 à 2 minutes. Retirez-les. Coupez-les en deux. Ensuite, faites des croisillons. Il ne faut pas détacher cette partie du reste. Les boulettes sont belles avec leurs croisillons. Au cours de la cuisson, elles vont s'ouvrir. Plongez les boulettes et faites cuire un moment jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Comme ça? Oui, les boulettes se sont ouvertes. On les sort. Ensuite, on allume le feu et on ajoute de l'huile. C'est quoi comme huile? De l'huile pour salade. À quelle température faut-il la porter? À environ 180 degrés. Je vérifie. Ça convient. Mettez de l'ail. On fait frire jusqu'à sa coloration. Tout à l'heure, je le mettrai dans un pot en pierre. Le pot est chaud. Le parfum de l'ail va ressortir. Ça y est, c'est presque fini. On verse du bouillon et on cuit les gâteaux de riz glutineux. De quoi est fait ce bouillon? De poulet et de porc. Ajoutez la pâte secrète. Qu'est-ce que c'est? C'est une pâte qu'on fait nous-mêmes. On l'utilise spécialement pour préparer les boulettes de bœuf. Elle est à base de sauce saté, de sauce aux huîtres, de sauce soja épaisse et de sucre. La sauce saté est souvent utilisée dans la cuisine de Chaoshan. La sauce soja sert à donner de la couleur. C'est prêt. On sort et on réserve. On cuit les boulettes de bœuf de la même manière, n'est-ce pas? Oui. Notre premier plat est prêt. On dresse. Bien, après les boulettes de bœuf de Chaoshan, quelle est notre seconde recette du jour? La soupe de riz au homard. Il semble que ce plat se trouve dans de nombreux restaurants cantonais. Oui, la cuisine cantonaise se divise en 3 sortes. La cuisine de Guangzhou, la cuisine de Chaozhou et la cuisine d'Hakka. La recette de notre soupe de homard vient de la cuisine de Chaozhou. Alors dites-nous quels sont les ingrédients nécessaires? Les principaux ingrédients sont du homard, des crevettes, du riz et du riz frit. D'abord, on prépare les ingrédients. L'étape suivante consiste à les blanchir pour éliminer l'odeur de la mer. On va blanchir le homard? Non, sinon il perdrait sa fraîcheur. C'est prêt. Ensuite, on va enrober le homard. On ajoute un peu de fécule. C'est pour retenir l'eau de la chair. Juste un peu de fécule? Oui, on va faire frire. On met directement le homard. On le laisse combien de temps? Environ 2 minutes.
On veut obtenir une couleur dorée. Ce sera très beau. La couleur change déjà. Bon, c'est frit. Ensuite, on frit les crevettes. Combien de temps? Jusqu'à leur coloration. Environ 2 à 3 minutes. C'est presque prêt. Les crevettes sont bien dorées. On sort. Le homard et les crevettes sont cuits. Ensuite, on va faire revenir la tête du homard. Pourquoi la fait-on revenir au lieu de la frire? Quand on procède ainsi, les saveurs restent dans la casserole. L'eau qu'on verse ensuite s'en imprègne. Un parfum se dégage. C'est doré en partie. On va ajouter tout de suite de l'eau bouillante. Avec de l'eau froide, la soupe de homard ne serait pas assez épaisse. C'est une étape cruciale. Maintenant, on verse. Ok, c'est très important d'ajouter de l'eau bouillante. Faites mijoter pendant 25 à 30 minutes, jusqu'à ce qu'un parfum se dégage. La soupe est bien cuite, elle est déjà très épaisse. Oui, la couleur a changé. Maintenant, on sort. On verse la soupe dans un wok. La couleur de la soupe de homard est très belle. On ajoute le homard, du homard frit, les crevettes d'eau douce et du riz. C'est du riz long? Oui, on va les cuire. Le bouillon bout et on assaisonne le plat. Un peu de sel, de l'essence de poulet, du sucre et du poivre pour enlever les odeurs désagréables. On mélange. On met les ingrédients dans une cocotte en grès émaillé. Elle reste chaude pendant longtemps après cuisson. Maintenant, on ajoute du riz frit. Il va gonfler assez vite. Notre soupe de riz au homard est prête. Voilà le moment attendu de la dégustation. Je vais goûter à la première recette. Les boulettes de bœuf ont été coupées en deux et puis entaillées joliment. Il y a une diversité de textures dans ces boulettes de bœuf. Elles sont élastiques à l'extérieur, tendres et moelleuses à l'intérieur. Elles contiennent pas mal de jus. Elles sont faciles à mâcher vu qu'on a enlevé les nerfs du bœuf. Après avoir frappé la viande, ces boulettes ont produit de la gélatine et de l'élasticité, ce qui apporte une texture élastique et moelleuse. Maintenant, nous pouvons goûter à la deuxième recette. Elle contient pas mal d'eau hein, avec des grains de riz reposant au fond du bol. Je prends un morceau du homard. La soupe est savoureuse et la chair du homard est bien fraîche avec un goût exquis et délicat. Puis on sent bien deux genres de texture de riz. Il y en a un qui est plutôt gluant et un autre plus ferme et légèrement croquant. La deuxième texture vient du riz frit. Et c'est là que la soupe de riz au homard est différente de la bouillie de riz cantonaise où les grains se désagrègent presque entièrement dans l'eau. Et que pensez-vous de ces deux recettes de la cuisine du Chosham? Pourquoi pas les essayer chez vous? Je suis Emilia, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Secrets de Chef.